Salut à tous, pour la sixième année consécutive, nous vous emmenons à la Guadeloupe. Bienvenue donc sur l'Open de Saint-François, région Guadeloupe. C'est l'occasion de donner un petit coup de projecteur sur ce circuit d'Alps Tour dont le rayonnement ne cesse de s'amplifier. Ça vient bien pour un eagle. Ce programme qui, en ouverture de tous les tournois de golf du monde, fait la joie des happy few qui ont la chance d'y participer, est aussi, pour tout organisateur, un élément essentiel de la compétition, voire même un élément fondateur. Pour nous, c'est important, c'est une journée de grande convivialité. C'est la journée où on partage avec des professionnels et d'autres joueurs amateurs, avec des amis, on partage son niveau de jeu. Très belle équipe, de très bons pros, de très bons amis, impeccable. De tous les parrains de tournois que nous avons connus ces dernières années, il est le seul à avoir participé au tournoi des professionnels, ce qui lui a néanmoins laissé le temps de s'occuper des enfants. J'essaie de donner de mon temps pour les associations, pour donner aux enfants la possibilité de découvrir ce que c'est que le golf aussi. C'est le bonheur, donc voilà, j'essaie de m'impliquer un maximum et je remercie encore tous les organisateurs parce que c'est vrai que ça me fait plaisir d'être ici. Massé au pied du clubhouse pour ce putt de 3,50 m qui est dedans. What a putt! Well done, Leo Spinas, for his maiden win. Champagne for the French players. Le vainqueur de cette sixième édition de l'Open de Saint-François, région Guadeloupe, Leo Lespinasse.